C'est vrai que l'Italie, ça reste un match amical, mais on sait l'importance de démarrer une qualification par un bon résultat. On l'a dit pendant l'Euro, il n'y a plus de grand écart entre les grandes nations et les petites nations, entre guillemets. Je pense qu'aujourd'hui, les footballeurs sont à un niveau international intéressant. On l'a vu à l'Euro, les écarts entre les équipes n'étaient pas celles d'auparavant. Donc tous les matchs vont être difficiles, notamment que on joue chez eux demain. On l'a vu face à l'Italie, on est rentré bien dans le match, on a réussi à marquer aussi rapidement. Donc je pense que c'est aussi la clé pour pouvoir bien gérer ensuite notre match. Bien évidemment, maintenant on a un statut par rapport à cet Euro. On doit faire avec, on devra assumer. Les équipes nous attendront, les équipes voudront faire l'exploit, nous battre. Donc ça nous donne encore beaucoup de motivation et faire en sorte d'être prêt à affronter tout ça. Après l'Euro, nous et aussi notre public, on veut surfer sur cette vague-là et ça passe forcément par des victoires, on le sait. Donc ce sera à nous de jouer.